Vous faites une erreur. Vous êtes allé trop loin. Les moissonneurs nous tueront tous si on n'arrête pas ces querelles. Je ne vous demande pas de comprendre, Shepard. Et je ne cherche certainement pas votre approbation. J'ai eu besoin de votre aide, comme vous de la mienne. Mais comme le reste des reliques ici-bas, votre heure a sonné. Assez parlé. Yara. Ne vous mettez pas en travers de ma route. Je ne vous le redirai pas. C'est noté. Shepard. Quoi? Les données, elles ne sont plus ici. Elles sont effacées. Au revoir, Shepard. Merde. Comment il fait ça? C'est local. Quelqu'un doit envoyer les informations. Hé hey, éloignez-vous de la console. Allez. Elle a les données. Oh putain, cours ensuite. Tu vas où, ma poule? Attends, j'ai un cadeau pour toi. Oh. Ah, c'est le prix. Ah, merde, faut ouvrir la porte. Oh. Il va où? Ouais. Mais, allez, cours. Distance. Touché. Oh bien sûr, elle s'est tapé un sprint alors je l'ai rattrapé quoi. Y'a là ma poule. Hé hey. Bah non, je vais trop vite pour toi. Allez, je suis pas, on met toutes les fesses. Allez. Mais putain, mais elle est là. Oh le script quoi. Oh putain. Elle prend la fuite de gaz. Je la tiens. Oh putain. Drôle de façon d'arrêter les gens lui. Eh ouais, mais elle est morte maintenant. Et lui, il a rien, normal. Il tue plus ses alliés. Oh, je vais l'engueuler. Elle est pas morte. C'est là. Vos ordres. Achevez-la. Oh non. Sont gelés pendant une. Ah d'accord. Oh non, elle a pas tué H. Attrapez ce truc. On l'emmène. Je sais pas. Des signes de moissonneurs en orbite. Non. H-way.
Oh putain, les moissonneurs d'ailleurs. Oh putain, j'espère qu'elle est pas vraiment morte. Fait chier quoi. Ma douceur. Ashley a besoin de soins médicaux. Il faut quitter le système Helios. Je sais. La citadelle est notre meilleur espoir. On y trouvera de l'aide. Joker, cap sur la citadelle. Bien reçu. Ash, tenez bon. Voyez ce que vous et Idea pouvez tirer de ça. Commandant. Je reçois un signal sur leur cible secondaire. Il semblerait que ce soit l'amiral Hackett. Passez-le-moi. Je passe dans la salle des transmissions. Non, pas Ashley. Shepard, vous me recevez? Commandant. Ça capte mieux, là. Idea, tu peux améliorer ça? Je ferai de mon mieux. Vous avez atteint les archives? J'en reviens. L'homme trouble était là. J'avais peur que Cerberus tente quelque chose. Vous avez les données? La plupart. Il en a téléchargé avant que je puisse l'arrêter. Idea et Liara analysent ce qu'on a récupéré. Vous avez appris des choses? Ça valait le coup? Les premières informations indiquent que les données seraient le plan d'une machine protéenne. Une machine? Une arme, massive par la taille et la portée, capable d'infliger une destruction colossale. Envoyez-moi ces données. Nous ferons notre propre analyse. Si Liara a raison, on tient peut-être l'arme qui mettra fin au moissonneur. Je l'espère. Le lieutenant-commandant Williams a été grièvement blessé. On l'emmène à la citadelle. Je suis désolé, Shepard. Même si on sait tous les deux que ce n'est que le début. Allez voir le conseil. Montrez-leur ce que vous avez trouvé. Avec un peu de chance, ils vous appuieront. Et s'ils refusent? Faites ce qu'il faut pour les convaincre de se joindre à nous. Je vous recontacte bientôt. Enquête terminée. Oh, pas le conseil. C'est les têtes de nœud. Commandant. Idea extrait les données de la machine de Cerberus. Nous aurons des détails à montrer au conseil quand nous atteindrons la citadelle. Et le lieutenant-commandant Williams? J'ai fait mon possible. Elle a grand besoin de soins médicaux adaptés. L'amiral a raison. Ça va empirer. Hein? C'est ça? Si on n'arrête pas les moissonneurs, oui. J'ai regardé les données. Cette arme pourrait être la solution, si on arrive à la construire. Je me trompe, ou vous n'y croyez pas vraiment? Je sais, c'est dur à croire. Vous n'avez pas vu ce qu'ils ont fait sur Terre? Comment une seule arme pourrait les arrêter? Quels sont nos choix? Vous savez qu'on n'y arrivera pas par les voies standards. Commandant? Par les voies orales. Ça vaut au moins le coup d'essayer, non? Je rends visite à Ashley et à James. Assurez-vous que tout soit prêt pour notre passage devant le Conseil. Je suis sûr que le Conseil fera le bon choix. Putain, la guerre sera courte s'ils ne le font pas. Ça va, toi? Premier gros mot que j'ai entendu hein, de chez Porte, quoi. Abusé. La citadelle. Ville de toutes les galaxies. Ah, il n'y a pas que c'est une ville, hein. Mais c'est une ville. Une ville qui peut bouger, mais qui c'est une ville. Et c'est le but! Et... fais du Quidditch. Pour ceux qui connaîtraient Harry Potter, sinon, tant pis pour vous.
J'ai un pouls, mais très faible. On y va. Et on veut pas savoir le tien, on veut savoir celui d'Ashley. Mémorial de Huerta, les meilleurs soins de la citadelle. On ne vous suit pas? Nous devons voir le conseil. D'accord. On dirait qu'on a de la visite. Commandant Shepard, j'ai appris votre arrivée. Capitaine Bailey, c'est bon de vous revoir. De même, mais c'est commandant maintenant. Félicitations. Merci. Père heureux. Je passe la moitié de mon temps à gérer des conneries politiques et à escorter des dignitaires. Sans vous vexer. Pas de problème. Donc, vous nous escortez au conseil. Ah, t'es la bonne niche, quoi. Je suis venu vous informer que le conseil vous attendait, mais qu'il avait ses propres soucis avec la guerre, tout ça. Il s'excuse pour le désagrément et blablabla. Rendez-vous dans le bureau d'Oudina. Les conseillers ne devraient pas tarder. Très bien. Vous avez peut-être le temps de passer au centre médical, voir où en est la situation. C'est une bonne idée. Merci. J'irai peut-être. Allez-y, Shepard. Moi, je vais dans le bureau d'Oudina. L'un de mes hommes peut vous montrer la route. Vous ? Je suis juste venu en touriste. J'essaierai de ne pas créer d'ennuis. Commandant, on a un problème dans le secteur des ambassades. Vous devriez venir. J'arrive tout de suite. L'autre moitié de mon boulot. On se voit plus tard, Shepard. Agent de sécurité. C'est sûr. Pour un commandant, ça le fait pas trop, quoi. Donc nous voilà dans la citadelle, qui a encore changé, qui change à chaque épisode, la position de l'Udina sur la carte. Oh, ça c'est nouveau, la tronche de la carte comme ça. Ok. Les personnages importants sont classés par lieu à droite. Diana Harris. Conseiller Udina. Je vais racheter. Elle, des hospitalisations, 3... Ok, bon, c'est le 3 et où est-ce qu'il faut aller après? Pourquoi j'ai plus 10 000? J'ai rien fait, moi. C'est quoi ça? S'il vous plaît, ascenseur, là-bas? Ouais, c'est là-bas. Assaut. Ceci est un Turien. Je fais la visite le touriste. Alors. Donc ils ont dit... Comment c'est écrit? Bienvenue, hôpital, bah voilà. Veuillez choisir un moment, s'il vous plaît. Elle m'a repéré. C'est quoi ça? Ah, c'est le loading, ok. Nous arrivons à l'hôpital Mémorial de Huerta. Non, mais c'est bon, je suis pas un touriste. Oups. C'est quoi ça? Bienvenue chez Sirta. Ah, c'est le... C'est le marchand. J'ai 35 000 d'argent. C'est quoi ça? Pourquoi j'achèterais des livres? Pourquoi j'achèterais des fleurs? Non, mais... Ça va pas la tête? Pourquoi j'achèterais des fleurs? Je suis Shepard, quoi. Le patient est stable pour l'instant. C'était délicat. Beau travail, docteur Frelick. La microchirurgie reste la meilleure méthode pour les nerfs. Des incursions de force hostile sont signalées dans les coulisses. C'est moins austère qu'un hôpital de chez nous, quoi. Oh, c'est joli. Et ben voilà, pourquoi ils n'inventent pas tout de suite les vieilles voitures volantes, quoi? C'est 10 fois plus pratique, moins d'embouteillage. Ah, ils ont pas poussé le vice à faire de la... des gens qui se promènent en bas, quoi.